Anomalie gravitationnelle détectée. Je vais voir si je peux nous stabiliser. Rider, on n'a pas eu l'occasion de faire connaissance dans la Voie lactée. Je suis Liam Costa, responsable sécurité et intervention. Enchanté. J'ai du mal à croire qu'on est enfin sur le terrain. C'est plus palpitant que lire les brochures. Accélération enclenchée, planète 3 devant. Affirmatif, ça ne ressemble pas à un monde en or vu d'ici. Les niveaux d'ionisation augmentent. Maintenez la trajectoire vers la zone d'atterrissage. Les niveaux d'oxygène sont sous le seuil vital pour les humains. C'est bien la bonne planète? Je croyais qu'on avait tout prêt. Restez calme, Navette 2. Les montagnes flottent dans les airs. Structure au sol à bâbord. Ils ont forcément développé des techniques avancées. Hyperion, ici le pionnier. On détecte la présence d'une civilisation extraterrestre. Quelqu'un nous a vu? Et s'ils sont pas amicaux? On s'en tient au protocole. Pour pas d'usage de la force, ils sont pas attention aux esprits. Merde! Qu'est-ce que ça m'empêche? On a pris la poudre! On perd le trop gros! La V2 en situation critique! Je suis attendu! Accélération en hausse. Sans blague! Défaillance du micropropulseur. Fais-le marcher! Vitesse terminale bientôt atteinte. Sam! Why is it KR? It's better stats for more relevant units. Turning speed for everything. This is 4-4. Untargeted mini. Merde. CD. Baron's only fucking pumping extra. Rider, à vous. Hyperion, Sam, quelqu'un m'entend? Pas la peine, Rider. Sam et HS, la com est foutue. Et nous, on l'a échappé belle. Les autres s'en sont sortis? J'en sais rien. C'était la panique. La navette s'est fendue en deux. Un vrai cauchemar. Ouais, on peut pas vivre ici. Je crois qu'on va devoir monter dans les hauteurs. Voir s'il y a des survivants. En route! Ryder, vous en êtes où de votre formation à la survie? J'ai déjà connu pas mal de galères. Rien de trop improbable, mais... Eh ben, en voilà de l'improbable. Ces rochers flottent dans les airs. Terra incognita. Certaines de ces plantes ont l'air de tentacules. Est-ce que l'eau est vraiment de l'eau ici? Sans Sam, difficile de dire ce que c'est au juste. C'est une sorte de plante, peut-être morte, ou peut-être pas. Ces structures qu'on a vues en arrivant, qui pourrait survivre dans ces conditions? Je ne sais pas si je tiens à le savoir. Les tempêtes n'ont pas l'air naturelles par ici. Il est grillé. Rien à faire. Ça explique pourquoi on a perdu notre connexion à Sam.
Au fait, un petit conseil. Ne respirez pas cet air. Je l'ai découvert à mes dépens. Compris. Okay, level now. 1, 2, 3, 4, 5. Vous croyez que c'est à cause de ce nuage d'énergie qu'on a vu? Ça m'a dit que c'était de l'énergie noire. Mais c'est dans l'espace. Ouais. Sacré nuage. Un nuage qui fait voler la roche. Bordel, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, il faut qu'on avance. Mais c'est dingue! Bienvenue sur l'habitat 7. J'hallucine ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Cette planète veut notre peau! Elle peut toujours essayer. Votre arme fonctionne? Vous feriez mieux de vérifier. Tirez sur cette cellule de carburant. Elle est... Ça a l'air d'avoir marché. Regardez, il y a un truc qui vole dans le ciel.